là-bas, Mystios. Qu'est-ce qu'il y a, vieillard? Je suis mourant, Mystios. Je le sens dans mes os. Mais avant, j'ai une chose à faire. Tu veux bien aider un vieil homme à exaucer son dernier souhait? Je te donnerai les drachmes qui me restent. Je ne priverai pas un vieillard de son dernier désir. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours promis à ma femme de l'emmener voir les fleurs rouges au sommet de la montagne, sur le terrain de jeu de Zeus. C'est un bel endroit. La vue est splendide. Mais elle a rencontré le passeur avant moi, Mystios. Je n'ai pas tenu ma promesse. Il y a toujours quelque chose à faire, tu sais. Les enfants, la guerre, que sais-je. Si tu avais fait un effort, elle aurait pu profiter de cette vue. C'est ce que je me dis chaque jour. Alors, qu'aimerais-tu que je fasse? Va cueillir quelques-unes de ces fleurs rouges au sommet du mont Ida. Je pourrai les offrir à ma femme quand j'irai chez Hadès. Quelques-unes suffiront. Rapporte-les-moi ici. Je t'attendrai, Mystios. Et je pourrai mourir. J'ai compris. Je l'ai en vue. Ce doit être l'endroit dont parlait le vieil homme. Ah, voilà. Les fleurs. Les fleurs, il faut que je me dépêche de les rapporter au vieillard près de Gortine. Hadès l'a appelé. De toute ma vie, je ne l'ai jamais vu si paisible. J'espère qu'il a trouvé ma mère. Ces fleurs, est-ce que... Oui, il m'a demandé de les lui apporter. Vieux fou. C'est pour ça que tu as quitté Pefka, pour aller chercher si loin de chez nous des fleurs pour mère. Espèce de pauvre vieux fou entêté. Ton père m'avait promis ces drachmes. Oh, tiens, c'est tout ce qu'il avait sur lui. Merci, vieillard. Mère doit être contente que tu aies apporté ces fleurs. De son vivant, tu ne l'avais jamais fait.